Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je m'appelle Question Lascaos et nous allons tout de suite découvrir le développement Lascaos, à savoir l'épisode 1, la création de Lascaos. Donc là, pendant plusieurs heures, je vous ai préparé des notes, un petit paquet avec tout dedans, avec des instructions. Donc il faut surtout lire les instructions. Et également regarder la vidéo si pendant la vidéo ou pendant votre manipulation vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose, vous re-regardez la vidéo et vous verrez comment on aura fait les choses pas à pas, étape par étape. Donc voilà tous les logiciels que vous aurez besoin dont je vous donne. Donc ça fera à peu près 10 gigas, à peu près 10 gigas de, avec le client Lascaos, ça vous fera 10 gigas à télécharger. Bien entendu compressé, donc ça sera un peu moins, et une fois que vous aurez ça, vous aurez tout. Donc on va commencer tout de suite hein, parce que la vidéo risque d'être longue sinon. Donc VMware Workstation, vous aurez besoin de l'installer. Donc si vous voulez un crack, vous regardez sur Google pour avoir un code de série, ou vous l'achetez, ou vous faites ce que vous voulez. Donc vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous allez dans Server OS. Vous lisez la note, donc vous extrayez, vous créez un document Virtual Machine ici, après avoir installé VMware Workstation. Vous extrayez le CentOS 6.64 bits, voilà, ça va être le serveur. Et vous allez extraire également le compiler. Donc pareil, vous faites le lisez-moi. Tout est créé par moi-même en français. Donc voilà, étape par étape, vous pouvez voir comment faire. Donc une fois que vous avez vos deux dossiers dans Documents Virtual Machine, donc vous allez lancer en premier lieu CentOS 6.64 bits, donc avec un double clic sur les trois carrés. Vous faites Power on this virtual machine. Vous attendez un peu. Donc là, je vais vous donner quelque chose que j'ai déjà monté. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour vous. Et comme ça, on pourra passer beaucoup plus rapidement également au développement Lascaos. Comme je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà comment faire un serveur, c'est juste de revisiter un peu comment on fait un serveur pour les personnes qui ont zéro connaissance. Donc le mot de passe sera 1122QQ et l'identifiant root pour les deux, pour le compiler et le serveur OS. Donc une fois que vous avez lancé votre serveur OS, en fait ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir installer PuTTY et WinCSP. Donc pareil, ils seront dans le package. Donc, à savoir que PuTTY, une fois que vous l'avez installé, vous allez le mettre dans Programme File avec un dossier, non, Programme, excusez-moi, Programme. Vous allez créer un dossier PuTTY comme ça et vous allez l'installer dedans. Donc, on y reviendra parce qu'en fait, par la suite, une fois que vous avez installé PuTTY et que là, vous avez cette page et WinCSP, alors vous rentrez l'adresse, vous connectez, donc root 1122QQ. Donc une fois que vous êtes connecté, vous faites une commande qui s'appelle ifconfig. Ça va vous permettre d'avoir l'adresse IP de la machine virtuelle, donc 192.168.202.131. Vous allez aller dans WinCSP, vous allez l'ouvrir. Bon, moi je l'ai en barre de raccourci, mais vous l'aurez sur votre bureau quand vous l'aurez installé. Vous allez faire nouveau site, vous allez rentrer l'adresse IP de votre machine, le root et le 1122QQ. Ensuite, vous allez faire connexion. Donc, une fois que vous serez connecté, vous aurez deux panneaux distincts. Donc, un, la machine virtuelle, et le deuxième, votre ordinateur, d'où vous pouvez transférer des fichiers depuis votre ordinateur sur votre machine virtuelle, ou inversement depuis votre machine virtuelle sur votre ordinateur.
Donc en fait, si vous voulez, quand vous aurez fait ça, vous aurez déjà le serveur dedans. Donc ça veut dire que vous allez dans Home, serveur, et vous avez déjà tout de fait, tout de mis. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être d'installer Navicat. Donc moi, je vous mets deux Navicat différents parce que j'en ai deux différents. Donc j'ai celui-là que vous voyez multicolore et j'ai celui-là que j'utilise. Donc multicolore, il est en français avec un premium, avec un crack, pardon. Donc il faut sélectionner Navicat 12, premium, la langue française ou English comme vous voulez. Pas pour revendre 365 jours, coupez votre connexion internet et activer, générer la clé et la copier directement pendant l'enregistrement. Une fois que vous avez fait ça, sinon bah, vous aurez Navicat Premium. Donc celui-là, vous avez juste à l'installer. Et une fois au lancement, il va vous demander un enregistrement. Donc on va le faire tout de suite. Donc d'abord, on va effectuer quelques commandes. Alors, une fois que vous avez lancé votre serveur, vous allez faire Service IP Tab Stop. Donc CTRL C et clic droit de la souris pour copier des commandes sur le terminal. Donc le terminal va vous servir à effectuer toutes sortes de commandes par rapport à votre serveur, notamment pour le lancer, pour le couper, pour lancer la base de données, etc., etc. On y reviendra. Donc là, comme vous suivez les étapes, donc voilà, j'ai lancé le MySQL. Donc une fois que vous avez lancé le MySQL, vous ouvrez Navicat. Donc voilà, il me demande un enregistrement. Donc vous faites registration. Vous allez dans le dossier qui sera prévu pour ça. Donc Navicat Premium Key. Et vous rentrez tout simplement CTRL C, CTRL V et vous faites entrer. Donc vous n'aurez rien. Vous faites nouvelle connexion. MySQL. Là, vous rentrez ce que vous voulez, la SQL développement par exemple. Là, vous rentrez l'adresse IP que vous pouvez voir ici, 192.168.200.231. Vous rentrez route et vous rentrez 11.22.QQ. Donc, le mot de passe est universel pour tout. Et une fois que vous aurez fait ça, vous faites OK, testez la connexion si vous le souhaitez, et vous vous connectez. Donc, moi, j'ai déjà des bases de données, mais vous, vous aurez rien. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, vous allez devoir. Je vais le faire avec vous comme ça. Ça va être mieux. Comme ça, vous verrez vraiment comment faire les choses, etc., etc. Alors, en fait, si vous voulez, je vais vous mettre des databases. Donc, trois databases. Donc, une fois. Il se peut que le logiciel bug de temps en temps. Il faut juste attendre un petit moment. Donc vous supprimez, voilà. Le temps de la suppression. Voilà. Donc vous cliquez sur la racine de la connexion. Vous cliquez droit. News Database. Donc nouvelle base de données. Et vous tapez News Project Data. Donc News Project Data, c'est tout ce qui va concerner la data du jeu. Ensuite, vous tapez News Project DB. Tout ce qui va concerner les personnages, les inventaires, etc. Vous faites OK. Vous faites pareil pour les comptes. Donc News Project DB Auth. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner les bannissements, la base de données des bannissements, etc. Et des comptes. Tous les comptes seront listés ici. Donc ensuite, vous double-cliquez sur News Project Data. Vous faites exécuter SQL File. Vous cochez les trois cases. Vous allez dans le dossier du package LastKaos, Database LastKaos. Vous sélectionnez News Project Data. Vous faites ça. Et vous lancez. Et vous faites pareil avec les trois. Donc, une fois que ça c'est fait, on va effectuer une compilation du serveur. Il faut bien vérifier que tout upload sans problème. Mais il n'y a aucun souci. Voilà. Par contre, je vais vous préciser quelque chose.
Je vais vous préciser quelque chose, c'est que je vais vous mettre un compte et un personnage. Donc après, je vais vous montrer comment créer un compte et comment désactiver des personnages, etc. Le but, c'est du développement. C'est pas. Donc voilà. Donc après, vous cliquez droit sur la table, vous faites refresh pour avoir les tables qui se sont ajoutées. Donc tout ça, je vais y revenir un peu plus tard. Là, c'est juste créer le serveur, pouvoir se connecter au jeu. Donc ensuite, vous allez aller dans News Project DB Hôte, BG User. Donc là sera listé tous les comptes. Donc par exemple, mon compte Chaluna avec le mot de passe 123123. Donc vous pourrez vous connecter éventuellement avec ce compte. Et dans les personnages, donc News Project DB T-Character, vous avez mon personnage Cassius. Donc pareil. Alors si vous voulez que ça soit une DB clean, vous avez juste à faire 0 à Enable à la place de 1. Ça, en fait, ça désactive le personnage du compte. Et pour créer un compte, vous faites tout simplement, je vais le faire avec vous. Donc vous faites la flèche du bas pour créer une nouvelle ligne. Vous faites pour rentrer un identifiant. Vous rentrez un mot de passe et vous faites le petit check ici. Voilà. Vous actualisez pour voir que le compte s'est bien créé. Donc voilà. Vous pouvez également modifier l'user code si vous le désirez. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous êtes bon au niveau de la base de données. Ce qui vous reste à faire, c'est de compiler le serveur. Je vais vous apprendre à compiler le serveur dans la vidéo. Donc pour compiler le serveur, il faut couper la machine de votre serveur, parce qu'on n'en a plus besoin pour l'instant. Et en fait, vous allez lancer l'autre que je vous aurais fait mis là. Donc à savoir que quand vous allez extraire les deux dossiers ici et que vous allez lancer la première fois le système d'exploitation, il va vous demander si vous avez copié ça ou si vous l'avez déplacé, etc. Vous sélectionnez copier. De toute façon, dans le lisez-moi, il y a toutes les informations nécessaires. Donc vous lancez le CentOS 6. Pareil, le mot de passe c'est 1122QQ. Par contre, le clavier risque d'être en anglais sur celui-là. Donc je vous conseille d'ajouter un clavier anglais et puis de se familiariser avec son clavier d'ordinateur ou d'utiliser un clavier visuel pour voir les touches correspondantes à QQ. Mais je vous la donne, par exemple, c'est AA. Vous rentrez AA et c'est QQ en clavier anglais. Donc voilà, donc vous attendez que ça se lance. Il y aura pareil, il y aura tout déjà dessus, parce que moi je vais vous donner quelque chose déjà préconfiguré, qui vous reste plus qu'à travailler sur le serveur, on va dire. Toutes les modifications, etc. Après, en ce qui concerne la base de données, c'était la mienne, donc pratiquement pas touchée. Là, avant de faire la vidéo, j'ai fait des ajustements de tout remettre à neuf. En ce qui concerne les XP, les drops, les monstres, les skills, enfin un peu tout, le level max. Donc comme vous pouvez voir dans TXP de... Ah oui, on peut plus, parce qu'il n'y a plus la connexion. Ah oui, si on coupe la connexion. Donc là, on peut se connecter. Donc on se retrouve dans le serveur CRC. Donc une fois que vous êtes dans le serveur CRC, en fait, ça c'est les sources de Lascaux. Donc vous allez par exemple dans Charlib. Donc Charlib, c'est le dossier de la configuration Lascaux. Donc ici vous pouvez configurer pas mal de choses, dont savoir sur quel channel vous voulez mettre les raids, le maximum upgrade, etc. Par exemple, vous rentrez dans le dossier serveur CRC. Home, serveur CRC Charlib. Vous ouvrez config localise usa.h. Bien sûr, au préalable, vous avez installé sur votre PC Notepad++ disponible via Google. Donc, vous pouvez descendre le fichier, voir un peu tout ce qui pourrait vous intéresser. Donc là, vous avez une ligne qui correspond à l'upgrade des PDC. Donc,
Ça, c'est plus 15. Donc ça veut dire qu'au-delà de plus 15, vous ne pourrez pas utiliser PDC ou de run. Donc voilà. Par exemple, ça, c'est la taxe de paiement de EGA. Donc de base, c'est 999 code, je crois. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est... Qu'est-ce que vous avez d'autre d'intéressant? Là, vous avez les levels des commandes GM. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo. Et vous avez aussi le recommande serveur level. Donc ça, c'est le level maximum. Ça veut dire que au-delà du level 30, vous ne droppez plus de recommandations de level, donc de buff, etc. Donc voilà, c'était un tout petit peu pour vous montrer. Donc par exemple, si vous allez dans le game server, ici vous avez plein de fichiers C++ que vous pouvez modifier. Bien entendu, il faut apprendre. Donc au fil de mes vidéos, moi je vais vous apprendre à vous familiariser avec ça. Donc là, vous ouvrez le fichier pour xp.h et vous voyez que le max level 185. Donc ce fichier sert à modifier le level maximum de votre serveur, Lascaos. Donc en l'occurrence, officiel, c'est 185. Donc on va laisser comme ça. Ensuite, vous ouvrez dans votre package, toujours. Vous allez dans Lisez-moi. Ensuite, vous descendez pour compiler le serveur. Donc CD Home CRC. Donc moi, je vous montre CD Home CRC. Vous faites, par exemple, si vous avez modifié l'XP, vous sauvegardez dans Notepad vos changements. Et ensuite, vous faites make clean. Donc, make clean et make all USA. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, ça va se faire tout seul pendant un certain temps. Tout dépend de votre puissance d'ordinateur, de configuration, etc. Moi, ça va aller relativement vite normalement. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez avoir des comment ça s'appelle? Des binaires. Donc des fichiers binaires. Comme Discord.exe. À la base, c'est un fichier binaire. S'il serait sous Linux, ça serait un fichier binaire. Discord, c'est tout. Des fichiers binaires comme vous voyez là. Par exemple, on peut très bien remplacer game server D par Discord ou bien Skype par helper, helper.exe. Enfin voilà, c'est à peu près le même schéma. Donc en fait, vous attendez que tout ça se bidouille. Donc une fois que la compilation de tous les serveurs sont terminés, vous pouvez aller dans chaque répertoire et récupérer les binaires. Donc à savoir, voilà, donc là on a terminé. Quand vous arrivez là, vous avez terminé. Hein. Quand il sort du répertoire, donc Living Directory, vous allez dans Helper. Donc je vous conseille de sélectionner la binaire. Merde, j'ai fait une mauvaise manip. Donc vous sélectionnez la binaire, vous faites, voilà, et vous pouvez voir que je l'ai compilé à 18h22. 18h22. Donc la vidéo est en deux parties, étant donné que j'avais des choses à faire aujourd'hui, je la reprends à 18h22. Donc vous faites pareil. Helper, Messenger. Subhelper. Connector. Et à chaque fois que vous allez compiler votre serveur, vous êtes obligé de prendre ce qu'on prend actuellement. Parce que, en fait, si vous voulez, quand vous faites une modification, ça prend en compte dans la globalité. Donc, si vous prenez juste le game server, ça risque de pas fonctionner. Donc, voilà, nous allons dans le game server. Donc, pour aller, vous faites directement avec votre clavier G, vous allez dans le G, Game Server D, actualiser. Vous voyez, c'est passé de 13h à 18h. Donc là, c'est la compilation qu'on vient de faire. Donc ça, c'est le fichier le plus gros. Normal, c'est le Game Server. Donc ensuite, bah, vous avez vos fichiers sur votre bureau. Donc
dans un dossier que vous aurez créé sur votre bureau au hasard, un nouveau dossier, etc. Vous pouvez fermer votre compiler, on n'en a plus besoin. Donc imaginez que vous aurez modifié le level cap en 185, juste pour vous situer. Vous avez compilé votre serveur, maintenant il faut lancer votre serveur où il y a votre serveur. Donc on ferme tout ça, on n'en a plus besoin. Et on lance la machine avec le serveur, donc avec la base de données, le serveur file, les fichiers de serveur sur sur la machine. Et donc voilà. Donc une fois que c'est lancé, ce que vous allez faire, attendez parce que je fume en même temps. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez remplacer vos fichiers binaires. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, il est 18 h. Vous allez aller dans les binaires. Donc vous allez prendre les binaires et vous allez les remplacer à la racine du serveur. Donc nous sélectionnons. Donc voilà, on peut se connecter après quelques secondes d'attente. Donc là, vous allez dans Home, Serveur. Et vous faites pareil, vous allez dans Helper, vous supprimez Helper, vous allez dans votre bureau, dans votre dossier où vous aurez mis vos binaires, et vous glissez à la racine dans votre serveur. Donc vous faites clic droit sur Helper, propriété, et vous faites 4x7 pour donner les permissions au lancement de l'helper. Et pareil pour tout. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer votre serveur. Donc, on va le faire de toute façon. Et si vous avez des questions ou un souci à un niveau, vous pouvez revoir la vidéo, vous pouvez rejoindre le Discord qui sera dans la description pour poser votre question à la communauté française de développement ou à moi-même sur le Discord. Donc voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vais lancer le serveur. Donc pour lancer le serveur, voilà, commande pour lancer votre serveur. Donc vous faites service etpetab stop. Ça veut dire que ça coupe votre pare-feu. Étant donné que vous êtes en local, on n'a pas besoin de cette sécurité. Vous faites service MySQL destart. En fait, vous devez couper votre pare-feu parce qu'en local, si vous avez votre pare-feu d'activé de la machine, pas votre pare-feu de votre PC, hein, le pare-feu de la machine, vous ne pourrez pas vous connecter en jeu. Il y aura un blocage. Donc, une fois que vous avez start le MySQL, faites cd home server auth, vous rentrez et vous faites start. Voilà. Ensuite, vous faites cd home server. Vous suivez les étapes de commande. Voilà. Et là, ça va me lancer le serveur. Donc après, si vous voulez, par exemple, vous êtes en jeu, on verra dans d'autres vidéos, pour relancer le serveur, il faudra utiliser une commande comme ça et refaire les étapes depuis là à là pour couper et relancer votre serveur en quelques secondes. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, il va falloir... C'est pas totalement terminé, donc le serveur est en ligne, on peut se connecter, mais il va falloir installer Microsoft Visual Studio Professionnel 2010 avec le Visual Service Pack 1. Donc c'est un gros logiciel, donc vous l'installez, c'est un logiciel de programmation, de recherche, de compilation. Donc vous l'installez, ensuite le pack, le Roco, donc on va dans les clients. C'est où j'ai mis source client. Donc ce dossier-là, vous le glissez dans votre disque local C. Ne pas oublier également de... Attendez, parce que je le cherche. Je vous avais mis un bin normalement.
Une CSP, lisez-moi. Dossier Engine, voilà, dossier Engine. Donc, vous pouvez lire la petite notice que j'ai créée. Donc, le dossier BIN doit être placé à la racine du disque C. Cela vous permettra de récupérer vos fichiers une fois compilés pour le client, voire fin de vidéo. Donc là, c'est vraiment la fin où vous pourrez vous connecter sur votre serveur avec le compte qu'on a créé auparavant. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, une fois qu'on a glissé le BIN ici, vous aurez tout ça dedans. Donc ça, vous n'y touchez pas. Vous rentrez dans le dossier Rocco CRC depuis votre disque local C. Donc au préalable, vous l'aurez glissé dedans. Vous ouvrez ce fichier, build-2010-16KO. Vous l'ouvrez. Donc le logiciel est en train de se lancer. J'ai pas mal de choses. J'ai la vidéo qui tourne, plus VMware, la machine de lancer, plus le serveur de lancer. Ça rame un petit peu. C'est un petit peu normal. J'ai pas un PC monstre non plus. Donc en fait, avec ce logiciel, ça va vous permettre de visualiser les sources directement sans ouvrir Notepad, faire des recherches dans une barre de recherche. N'importe quoi, si vous voulez, par exemple, level 90, vous aurez tout ce qui concerne level 90, donc besoin d'un level 90 pour créer un magicien sombre, etc. Vous pouvez vraiment tout voir et tout modifier au niveau du client. Vous pouvez également utiliser ce logiciel pour le serveur. Vous pouvez ouvrir le serveur. Donc, dans le serveur, dans le paquet du serveur, serveur OS. Bon, en fait, moi je vais vous le montrer directement depuis là parce que moi je vous l'ai mis directement dans l'OS. Donc ici, en fait, si vous voyez là, ici il y a Visual. Donc celui-là, vous pouvez l'ouvrir et vous aurez tout ça regroupé dans Microsoft Visual Studio. Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal d'onglets ouverts parce que je travaille dessus. Donc vous, ce qui va vous intéresser, c'est d'aller dans la barre de recherche qui se trouve ici, en premier lieu. Vous allez taper POST hôte et vous allez faire Thin Hall. Donc ça va vous trouver tout ce qui correspond à POST hôte. Donc vous allez faire une nouvelle session Putty pour récupérer l'adresse IP de votre serveur. Donc 192, 168, 202, 131 pour moi, pour vous ça sera autre chose. Et donc vous allez aller dans la première ligne, donc à la ligne 671, vous double-cliquez dessus et vous allez aller directement dans le fichier. En fait, ici de haut en bas, il faudra mettre votre IP. Donc comme vous pouvez voir, 192, 168, 202, 131. 192, 168, 202, 131. Mais pas uniquement ici. Ensuite, il faudra faire une recherche USA. Vous faites find, et là, ça va vous trouver toute une panoplie correspondant avec le string USA. Donc là, ce qu'il va vous falloir trouver, c'est communication-interface.cpp. Moi, je l'ai déjà ouvert, mais je préfère vous montrer de A à Z comment faire, parce que tout le monde ne connaît pas. Donc voilà. Donc voilà. Vous voyez, ici vous avez deux lignes à changer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a mon IP. Donc vous rentrez dans le dossier dans le fichier par un double clic et vous avez les deux lignes correspondantes ici. Donc ici, vous mettez votre adresse IP. Donc l'adresse IP qui sera ici. En gardant les virgules, parce que sur Visual Studio, il n'y a pas de point, c'est des virgules. Et on laisse aussi la virgule après la fin de l'IP et vous faites sauvegarder et vous faites pareil pour UI login, vous faites sauvegarder tout le temps et ensuite une fois que vous avez fini ça vous pouvez rechercher ce que vous voulez dans les sources, peu importe, par exemple je vous donne un truc tout bête, ici, non, ici
Par exemple, si vous tapez, je sais pas moi, DK Normal State dans la barre de recherche, vous allez tomber sur une ligne qui correspond à ça. Et en fait, ça permet d'ajouter des effets sur un PNJ ou un monstre. Donc, c'est plutôt de la personnalisation. Par exemple, 190, ça correspond à l'index d'un monstre. Par exemple, Lorraine, c'est index 139. Donc, à la suite, il faut mettre, enfin, juste au-dessus, 130, case, copier tout ça, mettre 139 et modifier le nom de l'effet. Donc, mais ça, on le verra dans une autre vidéo par rapport comment modifier, créer et utiliser les effets Lascaux plus 15, des effets de titre, etc. On verra ça dans le développement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait communication interface et uiloginnews.cpp, vous faites tout simplement build. Je vais pas le faire hein, parce que étant donné que j'ai tout ouvert, ça risque de prendre un petit moment. Donc vous faites build. Donc ça va vous ouvrir un output. Et l'output, vous le laissez travailler et à la fin de l'output, on va le faire quand même. Hein. Build solution. Donc voilà, ça vous ouvre un output. Et vous allez voir que là, ça. Alors build, ça veut dire construire. Donc ça construit votre engine. Et votre engine se retrouvera ici. Tous les fichiers que vous êtes en train de compiler. Voilà, vous voyez? Moi, j'ai fait aucune modification, donc il m'a pas mis communication interface et uilogin.new en mise à jour parce que je n'ai rien fait. C'est juste pour vous montrer le processus. Donc vous voyez, construit 5, 0 échoué, 1 mis à jour. Donc ensuite, ça y vient ici. Donc si on actualise, voilà, on actualise, on sélectionne avec CTRL. Engine.dll, Entity.mp, GameMP, NKSP et Shader. CTRL-C. On vient le copier dans le client et on le remplace. Et voilà. Donc, en parallèle, vous avez votre serveur de lancer. Vous avez modifié la connexion dans les sources du client. Vous avez modifié l'engine du jeu pour que le jeu se connecte avec votre adresse IP de votre machine. Et de votre serveur dans votre client ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez Check Tool. Vous pouvez fermer Visual hein, maintenant. On a fini avec ça. Donc vous ouvrez Check Tool et en fait Check Tool ça va vous permettre de modifier l'adresse IP du SL.DTA. En fait le SL.DTA c'est là où il y a l'IP du serveur et le port du serveur. D'accord? Et donc on va l'ouvrir, voilà. Donc là, vous voyez que moi, il y a déjà mon adresse IP 192, 168, 202, 131 et le port 7777. Donc vous n'avez pas besoin de changer le port, vous êtes en local, il n'y a aucun risque. Voilà. Donc voilà. Et ça servira également pour les mises à jour du launcher, du lanceur, si vous préférez, pour faire des mises à jour quand vous ouvrez un serveur en public. Mais bon, ça on verra dans une autre vidéo, pareil, pendant le développement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites Save. Donc vous faites Save et quand vous allez cliquer Save, ça va vous ouvrir où vous voulez sauvegarder. Donc bien évidemment, vous sauvegardez dans sl.dta et vous remplacez. Une fois ça fait, vous pouvez vous connecter sur le serveur. Donc pareil, vous ouvrez Navicat pour voir votre compte. Si vous vous en souvenez plus, vous rentrez votre clé. Donc vous ouvrez Navicat. Vous allez dans News Project DBO, BG User, comme on l'a vu précédemment dans la première partie de la vidéo. Et vous voyez que là, j'ai mon compte chez Aluna 123 123. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais lancer. Donc une fois que vous êtes sur la page, donc vous voyez, ça bouge, etc. Donc vous rentrez votre mot de passe, vous vous connectez. Le serveur est en ligne. Donc, ah oui, une petite chose. Si ça dit account il est in use, vous faites ça, vous retournez dans Navicat. Voilà, c'est des petits trucs, c'est des petites choses à apprendre en fait. Donc, ça mange pas de pain, comme j'ai dit dans la première partie de la vidéo.
Donc, quand il y a account ID in use, vous allez dans news project DBHost et vous faites vider en petit tab. Donc en français, c'est vider la tab. Donc voilà, ça vide la tab. Vous vous reconnectez et le tour est joué. Donc en fait, si vous voulez de vider tes users, ça va vous vider les anciens comptes qui se sont connectés au serveur. Donc comme vous voyez, login EP1 avec un beau visuel qui va aller jusqu'au personnage. Voilà. Tout en gardant l'interface EP4. Donc après, nous allons créer un personnage. Donc on va créer un titan. On ne va pas se prendre la tête à faire le tour des personnages. Vous les connaissez. Donc on va l'appeler Casius. Et on va le créer. Une fois qu'on l'a créé, eh ben on go sur Juno. Tout simplement. Et votre serveur est en ligne, en local. Vous avez appris à faire un serveur depuis mon package JaskaOS. Et puis, vous êtes opérationnel pour apprendre dans l'épisode 2 le développement de plusieurs choses. Donc voilà, comme vous pouvez voir, tout est officiel. Pas d'interface de modifier. Classement qui fonctionne. Donc là, il n'y a personne parce que bah, je suis le premier personnage sur le jeu. Vous pouvez voir que il y a les factions, il y a les affinités. Voilà, vous avez toutes les affinités. Level max 185, map 185 également. Et donc voilà. Donc moi, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouvera pour l'épisode 2 prochainement pour parler du développement. Donc je ne sais pas encore le sujet, mais vous le verrez lors de la sortie de la vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner. Et si vous avez des questions ou vous avez envie d'apprendre plus davantage, vous pouvez rejoindre le Discord. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.